Pinebout qui place qui ou dibouté dans Sotmaos, ou pour mazine un moment historique, un événement qui ou n'assisté qu'une fois. Pour beaucoup d'imoun, il y a un moment détente dans le week-end avec les courses qui loguent ici depuis 203 ans. Ben ce qui reste derrière Sotmaos, il trouve bâtiment monté jusqu'à ce qu'il trouve la meilleure. Et n'a prend raccourci, trace de simi à travers ben monument pour aller en ville. Si vous prenez la peine mos dans ban simi qui mène vers Sandmos, vous pouvez trouver ban place que s'arrête qui peut passer longtemps. Ban vie la case coloniale qui encore petit ni dibout et qui donne une valeur sentimentale et patrimoniale à nos capitales pour lui. Il y a un petit trésor aussi, comme un labrévoir, qui date depuis avant la Deuxième Guerre mondiale. Qui a dit moun une rangée pour qu'il s'éva lecteur fils capable de gagner un petit rafraîchissement quand fait trop saut. Sans démos, c'est un peu nous Central Park, un espace vert tout couleur qui à sa manière raconte nous l'histoire. Dans la mythologie gréco-latin, Mars c'était le dieu de guerre. Champ, c'était l'emplacement que lui-même ici peut faire l'entraînement, etc. Alors que ça, tu peux appeler Champ de Mars, que tu peux faire un military training, en hommage de sa dieu païen-là, Mars. Okay? Maintenant, pour retourner à l'histoire, ça, l'endroit qui appelle Champ de Mars, un lieu historique, rempli d'histoire, riche en histoire, un patrimoine. Eh bien, le premier colon qui vient settle ici, qui vient construire cette case, c'est dans les années 1750-1760. Tout autour du champ de Mars, il y a un endroit plutôt réservé pour les colons, pour les Européens, pour les Blancs. C'était un, comment on dit en anglais, posh neighborhood, ça veut dire un endroit très aisé. Quand les gens qui tiennent la casse, planteurs de canne à sucre, c'est eux mêmes qui tiennent dans la case ici. Ce qui peut arriver, c'est au fait, ceux qui passent l'hiver à Port-Louis et l'été à l'intérieur de l'île. Alors, il y a une variation à qui faire, champ de Mars tout autour, les Fines ayant un peuplement plutôt européen. C'est que plus tard, dans les années 1800, vers les années 1810, 20 et 30, nous voyons un changement autour du champ de Mars, que nous pouvons avoir des gens de couleur libre et des ex-esclaves qui viennent s'installer dans l'endroit-là. Et un peu plus tard, dans les années 1860-70, nous pouvons avoir une population d'origine indienne, hindoue et un peu plus tard, majoritaire musulman, depuis Plaine Verte à descendre, nous pouvons s'installer dans cet endroit-là. Alors, ce qu'on cause le champ de Mars, sous composition démographique, nous trouvons que depuis 1760-1750, a monté après un siècle jusqu'à 1850-60, jusqu'à les commencements 1900. Et il y a un changement démographique dans la composition de Dimoun qui reste autour du champ de Mars, qui reflète ce qui peut arriver au fait à Port-Louis, dans la ville de Port-Louis, dans le district de Port-Louis, à cette époque-là. Maintenant qu'on nous cause le fait historique.
Champ de Mars, il y a une place qui est au fait Tahrirabad à côté, que Mahatma Gandhi, quand il vient à Maurice en octobre 1901, le bateau de nos chers, il cause aux immigrants des difficultés. Et une des affaires clés qu'il utilise à eux, c'est que les immigrants éduquent leurs enfants. L'éducation, c'est très important. Si ils ont envie d'aspirer pour venir quelqu'un comme une communauté pour y progresser, si ils ont envie de venir quelque chose un jour. Et au fait, ils tiennent raison. Parce que c'est à travers l'éducation qu'une élite mauricienne finit ainsi émerger, finit ainsi amène Maurice vers la décolonisation et l'indépendance. Et c'est ici, au Tahrirabad, près du Champ de Mars. Et il y a aussi le Arya Samaj. Le Arya Samaj qui est une secte réformatrice dans l'hindouisme, qui s'est installée à Maurice plus d'un siècle de cela. Et je te cite, ils mettent en face dans l'éducation. Et dans son enceinte, il y a un obélisque qui, en décembre 1935, est inauguré par un qui s'est sorti depuis l'Inde, un grand scholar, depuis the Indian Colonization Society. Et aussi, c'est une élite de la communauté indo-mauricienne, comme Hoki Budan, Sansib Sagar Ramgoolam, Azhari Singh, Kishun Singh Azhari Singh. Je t'y marié piqué, je t'y formé un comité pour commémorer l'arrivée des immigrants indiens à l'île Maurice. Et non, bien sûr, la citadelle, et non, le tombeau Malartic, et non, ben, les autres structures qui y a-t-il liées. Par exemple, il y a un kiosque que le docteur Maurice Curé t'y causait, t'y fonde le Labour Party le 23 février 1936. Alors, ce qu'on guette Champ de Mars comme un collectif, grosso modo, il y a une place riche en histoire, riche en patrimoine. Et le fait qu'ici même, depuis 275 années, il y a un drill militaire, c'est un drill militaire de 75 ans de cela, qui est allé jusqu'à les années 1920. Et depuis plus que 2 siècles, qui récemment le Manchester Club a célébré ses 200 ans de horse racing, de les courses, il montre à quel point il y a une place incontournable, très importante, historique, dans la ville de Port-Louis, dans la cité de Port-Louis, dans le district de Port-Louis. La citadelle ou faux Adélaïde, un faux qui jamais une servie. À l'époque, quand la bourse et le magasin fermé dans Port-Louis, ben notable grimpe la petite montagne et vient discuter business et pas la sociale, une manière qu'elle se pose à l'ancienne, après qu'elle bateau dans la rade. Anglais fin prend 6 ans pour rendre sa faux grâce à l'abbé Ban Coulee et ancien esclave. Sa construction finit en 1840. Il gagne alors nom Adélaïde en l'honneur Madame des Rois William IV. Aster aussi Dimunal Caspos, l'eau sa viewpoint là. En fait, l'histoire de Champ de Mars s'est commencée en 1738-39, quand Maïdo Labourdonnais, gouverneur général de l'île de France et de l'île Bourbon, a décidé qu'il y avait besoin d'espace dans Port-Louis pour traîner ce soldats, ce militias, okay? Des centaines de soldats qui utilisaient un espace ouvert. Alors, en 1738-39, il fait un esclave de la Compagnie des Indes, qui était basé à Port-Louis, clair l'espace que tu appelles boisé, appelé marécageuse, qui est ici à Champ de Mars. Il y a plusieurs arpents, il fait ouvrir un endroit qui a une superficie de plus que 30 arpents et rectangulaire. Il fait ouvrir un espace pour ses soldats faire une manœuvre militaire. Et ça a commencé en juin 1740. Ces soldats-là pour jouer un rôle clé important dans la rivalité franco-britannique dans l'océan Indien. Qui fait? Parce que en 1744, avec ces mêmes soldats-là, Mahé de Labourdonnais pour faire la conquête de Mahé dans le sud de l'Inde, contre les Anglais. Et plus important, en 1746, il va faire la conquête de Madras contre les Anglais. Et c'est ce soldat qui s'est servi dans sa conquête du sud de l'Inde, là. Je commence le drill, le military exercise, ici à Champ de Mars. Et laisse-moi faire ressortir qui, c'est après les Français, c'est aussi les Anglais, jusqu'à les années 1900,
qui vous continuez service à l'espace ouvert là pour faire une militaire manœuvreuse. Ça que l'époque l'indépendance, qu'on décide pour célébrer les 12 morts, c'est que la République dans son démos, la force policière et les autres institutions qui portent l'uniforme viennent faire drill l'automate. Préparation cérémonie du drapeau est un moment bien important dans le calendrier, peu importe les temps ou invités. Bizarre un hommage de manière solennelle à nos drapeaux, nos fiertés. Eh bien, pour comprendre un peu qui fait le champ de mort, c'est autant grand qui fait aussi besoin de l'espace. Nous avons besoin de comprendre un peu ce qu'on appelle science militaire. Nous avons besoin de grand espace. Nous avons rappelé que même à l'époque française, il y a 1500 soldats basés à l'île de France parce que Maurice était une colonie stratégique. Et les villes, au niveau stratégique, encore plus important quand les Britanniques conquérir sa colonie-là. Et en 1811 et 1850, at any given moment, il y a 2500 à 1500 troupes anglaises, soit vous êtes basés ou vous êtes en transit. Et deux fois, trois fois par semaine, vous avez fait un military drill. Ça veut dire qu'il y a une centaine de troupes anglaises qui vont faire un military drill ici, entre 1810-1911 jusqu'à les années 1920. Et Banzou, qui se battait pour faire military drill, c'est un autre phénomène qui s'est déroulé, qui encore à l'île Maurice existait, c'est horse racing, ça veut dire les courses. Les courses qui étaient tellement populaires à Maurice, qui commençaient en juin 1812 sous le colonel Draper, avec l'appui du gouverneur Farquhar et de Lady Farquhar, et aussi de l'élite de la colonie, ben franco-mauricien, qui était aussi ben grand amateur de les courses, et aussi c'était officier de l'armée anglaise. Alors, ben, nous, qui se battait pour faire une manœuvre militaire ici dans les années 1810 et après, tenant les courses à Maurice. Il y a une grande tradition qui est plus que deux siècles. Et au fait, je dis qu'il y a Champ-de-Mars et à Maurice, les courses existaient. C'est Champ-de-Mars, c'est le deuxième plus vieil place dans l'hémisphère sud, côte énorme, horse racing, côte énorme, dans les courses. Malartic, petit gouverneur de Maurice pendant l'époque révolutionnaire. Et juste quand même une parenthèse pour dire aux autres, c'est que ici dans les années 1790, quand Maurice qui aussi rentre dans sa phase révolutionnaire là, quand l'ancien régime qui rejeté en France, et y compris à Maurice, ben révolutionnaire, ça veut dire ben radical, je suis joint ici, je suis forme de propre milice, et ici aussi je suis ben exercice militaire, je suis joint, je suis dans un débat, open air debate, je suis appelé ça. Et Malartic, qui est le gouverneur de la colonie entre 1791 jusqu'à 1799, pour à peu près 7 à 8 ans. Et il tient un vieux bonhomme, et avec beaucoup d'affection, ma colonie, si tu peux appeler lui, le père de la colonie. 1799, il est décédé soudainement, à cause de raisons de santé, et ils ont enterré ici à Champ-de-Mars. Ils ont commencé à ériger un tombe pour lui, mais. Un mausolée, Tom l'a pas réussi à finir en faute de moyens à cette casse. Et ce qui est arrivé, pour bizarre attendre des décennies après, en 1800, dans les années 1840-1846, Lady Gomme, l'épouse de Governor Gomme, lui décide pour faire un bal dans le château Le Réduit, qui est très connu à Maurice Kiffer, parce que une bonne conséquence, c'est l'existence du Blue Penny Stamp à Maurice. Okay? Alors, il fait le levée de fonds, 5 000 livres sterling, il reste gagné. Depuis le gouvernement colonial, il gagne 10 000 livres sterling. Et graduellement, entre 1846 et 1847, il achève son chef-d'œuvre qui s'appelle Monument Malartic, qui aujourd'hui c'est un monument national, c'est un National Heritage. En plein dans l'axe qui prend depuis monument Malartic éclairé du gouvernement, nous trouve statue les rois et d'Orset. Itiné le 9 novembre 1841 et Glenmore le 6 mai 1910. Le 24 juin 1912, la colonie inaugure sa statue-là. Et d'Orset divine les rois après la mort de son maman, la reine Victoria. Ce monument-là est assez imposant avec ce bassin
et les rappelle nous nos passés coloniaux. Cette année, squadron hélicoptère la police fait démonstration de compétences. Notre première mission, c'est assis à surveillance, sécurité civile et sauvetage, mais à travers cet exercice-là, un pilote peut montrer notre capacité à faire un peu voltige à basse altitude. 47 ans d'ici là, quand il est pavillon première fois, patine un seul hélicoptère dans la pose policière. Quand il fête l'indépendance en 1968, Dimoun t'y envahit à tribune MTC. Mauritius Turf Club, pour toujours associé avec Sandemos. Ça fait plus que des siècles qu'il organise les courses d'un pays. Colonel Draper décide à l'époque pour créer un turf club pour qui Anglais et Français célébraient ensemble notre fraternité à travers une même passion, Séval. Ça même master Plivier Hippodrome dans l'hémisphère sud. Sa réputation dépasse l'océan Indien et que chaque journée les courses amène beaucoup d'immunes dans la plaine. Et que dans tribune. En même temps qu'il peut faire répétition pour les pavillons, MTC peut préparer le terrain. La piste extale pour une nouvelle saison hippique à Côte Maiden pour encore une fois belle événement. L'événement plus symbolique qui célébrait dans Sandemos, c'est sans conteste cérémonie protocolaire l'indépendance de la République, les 12 Mos. 47 ans d'ici là, une génération de Mauriciens fin vivre un moment inoubliable. Nous fin retrouve un ban policier qui t'est défilé sa jour-là. Priyadat Barat, il était à l'époque un private dans SMF. Il y rappelle circonstances particulières sa première défilé-là. Ça, c'est un jour inoubliable parce que. C'est un lunaire pour faire une parade à l'occasion de l'indépendance du pays. L'escalier, comme on pense ça, comment dire ça, il passe hier. Quoi, nous tiens un petit groupe qui tient en 10 sans soldats. Nous venons là, nous faisons du travail, nous faisons beaucoup de répétitions. 25-6 répétitions ici, président caserne. Et après, dans la répétition de ce que je fais ici, je suis bien allé à Porto aussi. Tout le chef d'État qui est venu, je suis bien allé accueillir eux. Enfin, je suis fait deux fois, je suis bien allé à Porto, venir faire répétition ici. Ça tient continuer pendant jusqu'à ce que je suis. Ça, à l'époque là, nous étions dans Barax, jeunes soldats, dans Barax. Donc bien avant, nous avons VNI Soulier, VNI Sang, et ce qui tracasse nous un petit peu, tout le temps nous faisons parade, nous devons mettre les gants, mais pour faire l'indépendance, nous devons mettre les gants. Oh, les gants là, c'est les gants en nylon, nous faisons un faisons bien VNI. Alors nous pouvons payer nous faisons ça pour nous la mettre tomber. Généralement, nous, quand nous faisons nos drills, quand nous faisons nos parades, nous avons nos fusils. Nos fusils, nous payons nos balles, nous payons nos cartouches. Mais ça joue là, à cause bien un pays avant ça, en janvier, sinon une bagarre raciale. Alors, l'autorité peut payer attention à des autres. Alors, tu donnes nous balles, mais pas se mettre balles dans le physique. Tu gardes nous une balle dans l'uniforme. Alors, il fait vœu. C'est bizarre, c'est bien la norme sur ça. Ça, une seule fois. Pas pour revenir encore, ça. Premier jour, levé du drapeau. Côté Best Union Jack, nous pouvons monter au cadre colombe. Seulement s'y rendre pour sa première levée du drapeau. Et depuis, quand ça passe aux télévisions, vous ne pouvez pas rater le parade. Moi, je fais moins de devoirs.
Et je pense pour mon motif là, pour les 5 soldats, il y a un motif présent. En fait, quand nous causons l'histoire politique à Maurice, comme Lucifique mentionnait, 1936, et dans le docteur Maurice Curé, en février, ils font le Libre Parti. Un peu plus, nous remontons le temps même un peu plus en avance. Nous gagnons aussi le docteur Eugène Laurent, les formes Action Libérale, avec Manila le docteur, je fais un meeting aussi à Champ-de-Mars. Dans les années 40, 50, 60, à Champ-de-Mars même encore une fois, je fais un meeting politique pour conscientiser la masse mauricienne, leurs autres droits comme un citoyen, leurs travailleurs. Alors, ce n'est pas une coïncidence qui, éventuellement, quand on nous mise à faire le lever du drapeau, le 12 mars 1968, comment ça est arrivé? Quelle est la raison? Eh bien, originellement, SSA, tu avais pensé, according to ce qu'on appelle le Hansard, le Proceedings du Parlement mauricien, the National Assembly, tu avais envie de faire le lever du drapeau dans les casernes centrales, casernes, ok? Nous vous en rappelons un coup, dans les années, jusqu'à les années 20, Kazen, c'est une baraque pour les soldats anglais. Là, Litivine, le headquarters pour la police depuis les années 20 jusqu'à aujourd'hui. Alors, Sukhdev Bisundayal, le leader du IFB et un membre clé du Independence Party, il soulève sa question-là. Il suggère à Sassim Sangaram Goulam qui, voilà, ne pourra pas faire ça dans Kazen Central, qui est un symbole du colonialisme, de l'oppression. Nous visons faire ça quelque part elsewhere, somewhere else, et il suggère Champ de Mars. Champ-de-Mars, ce qu'il fait, parce que l'histoire qu'il y était, comme on fait que tu as dit, c'est ici que tu fais beaucoup de rencontres politiques, que tu fais la conscientisation pour la population mauricienne, que tu amènes cette libération, au fait, le combat, une bonne place que le combat contre le colonialisme, la marche vers la décolonisation, tu commençais, nous dire, ici même, pas seulement dans Government House, pas seulement dans l'Assemblée nationale, pas seulement à place du Quai, mais ici à. Champ de Mars. Ça veut dire le 12 mars 1968, quand Sir John Rennie Shaw, dernier gouverneur anglais de la colonie, habillé dans ce full British paraphernalia uniform, et nous gagne Sir Sangaram Goulam, le Union Jack, il descend, et nous avons le quadricolore levé, et nous avons le chant Glory to thee, Motherland of mine, qui est écrit par Jean-Georges Prosper. More than 100,000 people packed into the Champ de Mars racecourse to witness the coming of independence. Sir John Shaw Rennie, former governor and now governor general of the nation, arrived. It was a time for celebration. There was little sign of the trouble feared between the Muslim and Creole communities of Port Louis, the capital. This was a festive occasion. Sir John and Prime Minister Sir Siwusaga Ramgulam went to their places for the ceremony of the flags. After a century and a half of British rule, the Union Jack was being lowered for the last time on this island in the Indian Ocean. This was the moment they had waited for. To the roar of the huge crowd, a Mauritian policeman hoisted the flag of the new independent Mauritian nation. The symbolic handover of power had been carried out. Mauritius had severed its connections of reliance with Britain. The island in the sun was now free to decide its own destiny. Independence was theirs. Comment nous trouver à travers nos promenades, c'est l'histoire multicoulée de nos pays qui s'en démarre racontée à sa façon. Dans 3 ans, quand nous pouvons célébrer 50 ans l'indépendance et 26 ans la République, qu'il faut ça pour une bonne occasion, marque ça l'événement-là avec un monument qui peut dédier à ce moment historique-là. Que pour la première fois, la nation mauricienne finit trouver ce pavillon flotter dans ce dessin.